entendu ce qui s'est passé au garage? Ils ont été attaqués par un cinglé armé d'un flingue et tiens-toi bien, d'un sabre aussi. Un sabre? Ouais, c'est ça. Je te charrie pas, mec. Certainement un de ces jeunes tarés qu'on voit traîner ces jours-ci. Ils passent leur temps à regarder ces films de Hong Kong. Et ensuite, ils se baladent avec des longs manteaux, en jouant les durs. Eh ouais, de notre temps, les programmes étaient plus sains. Des souris en short, de l'horreur gothique, rien de bien méchant. Ouais. N'empêche que ces types me flanquent les jetons. T'as vu le peroxydé? Il embarque assez de flingues pour démarrer une révolution. J'ai surtout vu la nana qui trimballe, une Eurasienne à tomber par terre. Laisse tomber, tu joues pas dans la même cour. Allez, finissons-en. Ils attendent leur chargement à l'entrepôt 7.
qu'est-ce que t'espères avec ta pétoire et ton canif?
Jamais te revoir. Cet avion, en train d'être chargé, il part pour Tokyo. Et ils veulent m'embarquer de force. Ils en ont après le sabre de mon père, le katanagiri. Il ne faut pas qu'ils s'en emparent, Scott. Tu dois me sortir d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par ici. Ouvre cette porte et essaie de trouver un passage dans ma direction. On doit pouvoir se rejoindre. Dépêche-toi, Scott, je t'en prie. Ryuichi va revenir d'un instant à l'autre. Oh, Scott, j'ai tellement peur. J'ai tellement tant.
Stupide gamine! Fais ce qu'on te dit pour une fois, et grimpe! Le voyage ne sera pas très confortable, mais je suis sûr que tu seras ravi de revoir Tokyo. Sale chien! Tu vas payer pour ça! Mon père te retrouvera où que tu te caches! C'est précisément ce qu'on veut, fillette! Maintenant, ferme-la, et embarque! Get out of here!